On est correct, mon train est dans une heure. Où est-ce que je trouve que t'es un immense acteur, Gilbert? C'est dans l'auto, la scène silencieuse, la fin. Pour moi, c'est de la bravoure. C'est vraiment du jeu extraordinaire. Elle a vendu la maison. Oui, j'ai eu un bon prix. Comme ça, tes tantes sont payées, puis le restant de l'argent. 2 000 $. Moi, 2 000 $ sont placés jusqu'à ta majorité. J'avais juste à écouter, dans le fond, parce que j'étais entouré de gens assez fantastiques. J'avais quelqu'un avant moi qui était là, parce que tu étais là. J'étais au milieu, oui. Et donc, j'avais cette sensation-là de juste vivre cette histoire. C'est formidable pour, en tout cas pour moi, à cette époque-là, quand je faisais ça, c'était un film qui m'amenait dans un univers de fiction d'époque, qui me transportait. Donc, pour un acteur, c'est fantastique quand on peut vivre ça pour vrai. J'avais l'impression d'avoir mes vraies matantes, celles qu'on aime moins ou celles qui sont... Quand je dis le détail, c'est vrai que le vison, quand il touche le vison à côté, il y a quelque chose de... Ah, que c'est... On se souvient tous de nos matantes qui sentent un parfum qu'on ne veut pas et qui ont une petite moustache qu'on ne veut pas ou je ne sais pas quoi. Il y a quelque chose qui... Mais au cours du tournage, ce que vit Gilbert... Toute l'équipe l'a vécu. À la fin, on a fait plus les comédiens par leur nom. Ils l'appelaient Madame une telle. Ils étaient rendus juste. On les appelait par leur nom de film. Ça s'est imprégné. C'est moi qui avais donné ce monde-là. J'aimerais ça l'avoir. Recommence, Marie.